dur et pur. Dur, le mot dur peut être utilisé comme adjectif ou comme nom masculin. En tant qu'adjectif, dur décrit quelque chose qui est solide, résistant ou difficile à casser. Par exemple, cette pierre est très dure, signifie que la pierre est solide et résistante. En tant que nom masculin, dur, Peut se référer à la dureté d'un matériau ou d'une substance. Par exemple, la dureté de ce métal est impressionnante, signifie que le métal est très dur. Exemple, la glace est dure et froide. Cet exercice est très dur, je ne peux pas le faire. Pur, le mot pur, est principalement utilisé comme adjectif. Pur, décrit quelque chose qui est sans mélange sans impureté ou sans altération. Par exemple, cet or est pur, signifie que l'or est sans impureté. Pur peut également être utilisé pour décrire quelque chose qui est parfait, authentique ou exempt de mauvaises intentions. Par exemple, il a un cœur pur, signifie qu'il est sincère et sans malice. Exemple, cette eau est pure, elle ne contient aucune impureté. Il a une âme pure. Toujours prêt à aider les autres. Différence La principale différence entre dur et pur réside dans leur signification et leur utilisation. Dur se réfère à la solidité, à la résistance ou à la difficulté, tandis que pur se réfère à la pureté, à l'authenticité ou à l'absence d'impureté. Les deux mots peuvent être utilisés pour décrire des caractéristiques physiques ou morales. Mais ils ont des connotations différentes. Dur met l'accent sur la résistance ou la difficulté, tandis que pur met l'accent sur la pureté ou l'authenticité.